Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le cours des cytokines et des chimiokines. Il faut savoir que le développement et le fonctionnement de tous les systèmes biologiques nécessitent une communication intercellulaire qui repose soit sur des contacts directs et spécifiques entre différents types cellulaires, soit sur l'action des médiateurs solubles. Pour le système immunitaire, ces contacts directs se font donc par les molécules d'adhésion ou les récepteurs avec leurs ligands, soit sous l'action des médiateurs donc solubles type cytokine ou chimiokine, qui agissent aussi sur le récepteur. Les cytokines sont de petits médiateurs solubles dont l'intervention est indispensable aux réponses immunitaires et inflammatoires ainsi qu'à l'hématopoïèse. Les réponses immunitaires au cours de leur induction ou au cours de la phase effectrice, et qu'elle soit donc dans l'immunité innée ou l'immunité spécifique, sont en partie régulées par les cytokines. Ces cytokines sont de nature protéique, glycosylées le plus souvent, et leur synthèse est inductible. Elles agissent sur les cellules cibles par interaction avec leurs récepteurs spécifiques exprimés à la surface cellulaire. Ce sont des médiateurs non spécifiques bien sûr de l'antigène, qui peuvent avoir une ou plusieurs sources cellulaires et une ou plusieurs cibles. C'est-à-dire, la même cytokine peut être synthétisée par plusieurs types cellulaires et aussi une cytokine peut avoir plusieurs cibles, pas un seul type de cellule, il y en a plusieurs types cellulaires. Les cytokines se distinguent des hormones par quatre principes fondamentaux. Là, c'est un tableau comparatif entre les cytokines et les hormones. Donc, pour les cytokines, les sources, c'est plusieurs types cellulaires, alors que les hormones, un seul type de cellule est spécialisé et localisé. Par exemple, les hormones thyroïdiennes sécrétées que par les cellules thyroïdiennes. Alors, par exemple, une cytokine X, on va voir, elle peut être synthétisée par plusieurs types cellulaires. Les cellules cibles, elles sont aussi nombreuses et incluent les cellules hématopoïétiques. Alors les hormones plus spécifiques. Les activités, donc les cytokines ont une activité à large spectre et ils ont une forte redondance. Alors les hormones, ils ont une activité unique et plus restreinte. Le mode d'action pour les cytokines est les soies autocrines. Donc la cellule sécrète la cytokine qui va agir sur la même cellule par son récepteur. Juxtacrine, ça veut dire la cellule sécrète la cytokine fait qu'il va agir sur la cellule qui est juste à côté. Paracrine, c'est-à-dire elle agit sur des cellules de leur voisinage. Donc le juxtacrine, c'est plus rapproché. Les deux cellules sont plus rapprochées. Paracrine, elles sont dans le voisinage. Donc dans le même environnement, le même tissu. Voilà la même région. Endocrine, c'est-à-dire donc elle est loin et passe par la circulation. Les hormones, c'est endocrine, c'est-à-dire il agit sur des cellules ou là des tissus plus loin et il passe par la circulation sanguine. Donc voici une image, c'est l'autocrine. Donc c'est la cellule qui sécrète la cytokine qui agit sur elle-même par le récepteur spécifique de la cytokine. Elle a le paracrine, il agit sur une cellule de voisinage. Le juxtacrine, même il est dans le voisinage, mais c'est plus rapproché, donc les deux cellules sont plus rapprochées. Endocrine, donc c'est dans la circulation sanguine. Il agit par la circulation sanguine pour arriver donc à la cellule cible, ou là, le tissu cible. Donc, voici une image qui montre mieux les modes d'action des cytokines. Donc, comme vous voyez, Naya, l'autocrine, c'est sur la même cellule. Juxtacrine, c'est entre des cellules très rapprochées. Paracrine, c'est une cellule dans le voisinage. Et l'endocrine, donc, elle passe par la circulation pour rejoindre la cellule cible.
Pour les propriétés donc générales des cétokines, ce sont des protéines ou des glycoprotéines de faible poids moléculaire. Les cétokines sont produites pendant les phases d'induction et effectrice de l'immunité innée et spécifique. Ils servent à médier et à réguler les réponses immunitaires et inflammatoires. Certaines jouent aussi un rôle très important en tant que facteur de croissance à l'hématopoïèse. La sécrétion est brève, elle est quasi toujours de nouveau, donc elle est inductible. Et la sécrétion est de nouveau. Et de nombreuses cytokines sont produites par plusieurs types de cellules. On a deux propriétés essentielles des cytokines. On a la redondance et la pléiotropie. La redondance, c'est-à-dire des cytokines différentes, peuvent avoir des actions identiques. Alors que la pléiotropie, ça veut dire une cytokine donnée, peut agir sur plusieurs types cellulaires différents. Une cytokine donnée peut avoir des effets différents en agissant sur une cellule donnée. Je vous montre ça en image. Donc, comme vous voyez, il y a la redondance. Donc, plusieurs cytokines peuvent agir sur la même cellule pour donner le même effet biologique. Regardez, c'est la redondance. Elle a plusieurs types de cytokines sécrétées par plusieurs cellules qui agissent sur une cellule pour donner le même effet biologique. La pléiotropie, c'est donc une cytokine qui peut agir sur différents types cellulaires et sur chaque cellule, elle donne un effet biologique spécifique à la cellule. Donc, je répète, la redondance, ça veut dire plusieurs cytokines différents agissent sur la même cellule pardon, pour donner le même effet biologique. Alors que la pléiotropie, ça veut dire une cytokine, peut agir sur différents types cellulaires et sur chaque type cellulaire donne un effet biologique différent spécifique donc à chaque cellule. En plus de ces propriétés, s'ajoutent aussi des effets synergiques et des effets antagonistes. Ces interactions peuvent être soit par des actions directes sur une cellule cible, soit par rétrocontrôle positif ou négatif de leur production. Donc, je vais vous montrer ça en image. Donc, juste une image. On va réexpliquer la propriété de pléiotropie. Réguna, c'est la même cytokine. Je vais vous montrer d'abord la redondance. Donc, la redondance, c'est plusieurs cytokines peuvent agir sur la même cellule pour donner le même effet biologique. Donc, plusieurs cytokines différentes qui peuvent agir sur la même cellule pour donner le même activité biologique, telles que par exemple l'interleukine 2, 4 et 5. Qui sont sécrétés par. L'essentiel, les cytokines sont différents. On a l'exemple, ils sont sécrétés. Les trois sont sécrétés par les TH, T-helper activés. L'essentiel, trois cytokines différents. Ils ont agi sur la même cellule pour donner le même effet biologique, ou les HOA, la prolifération. La pléiotropie, on a la même cytokine, elle donne des effets biologiques différents sur des cibles cellulaires différentes. Qui m'a l'exemple, la cellule T helper activée, elle sécrète l'interleukine 4. S'il agit sur les lymphocytes B, il va entraîner l'activation, la prolifération, la différenciation. S'il agit sur les thymocytes, il entraîne la prolifération. Sur les mastocytes, il entraîne la prolifération. Donc, ça dépend de la cellule sur laquelle il agit. Mais elles ont d'autres propriétés aussi. La synergie, les deux cytokines, ils travaillent ensemble. Ensemble, donc, ils donnent un effet biologique. Donc, par synergie, on va vous montrer ça en image, parce que parfois, c'est difficile d'expliquer son image. Hanaya, la synergie. Donc, comme vous voyez, Hanaya, l'effet additif, ça veut dire la cytokine 1 une action, on a le dosage de l'activité biologique. On a le cytokine 1, l'effet biologique.
La cytokine 2, c'est l'effet biologique. L'effet additif, c'est un cytokine 1 plus 2. Mais l'effet synergique, ça veut dire les deux cytokines, il y a un effet biologique plus important que leur somme. C'est ça la synergie. On a les deux, l'interleukine 4 ou l'interleukine 7. Ensemble, on entraîne donc la commutation de classe vers les GUE mieux que l'interleukine 4 wahdo ou l'interleukine 5 wahdo ou l'effet additif tahom. C'est un effet plus ample que leur effet additif ou leur effet tout seul. L'effet antagoniste, on sait que par exemple, la cytokine 3, c'est une cytokine inhibitrice. Donc si on ajoute la cytokine 2, un effet biologique mais à la cytokine 3, on va avoir un effet inhibiteur. Elle va diminuer l'activité biologique. On a l'exemple, on a l'interleukine 4, il entraîne donc l'activation. J'ai l'interféron gamma. L'interféron gamma, il va bloquer la commutation de classe vers les GUE. Parce qu'on a l'interleukine 4 ou 5. Il induit la commutation de classe vers les GUE. On a l'interleukine gamma, il va venir pour inhiber l'action de la cytokine interleukine 4 et par conséquence bloquer la commutation de classe, bloquer l'effet biologique. J'espère que c'est clair. Donc, en plus, je répète pour l'effet synergique, en plus de ces propriétés, s'ajoutent des effets synergiques et des effets antagonistes. Ces interactions peuvent être soit par des actions directes sur un cellule-cible, soit par rétrocontrôle positif ou négatif de leur production. Elle influence souvent la synthèse d'autres cytokines. On parle de cascade de cytokines. Donc, on décrit différents modes d'action aux cytokines. On a le mode autocrine. J'ai déjà vous montré donc l'image. Un mode autocrine où la cytokine agit sur la cellule productrice elle-même. Mode juxtacrine où la cytokine elle agit localement sur des cellules adjacentes à la cellule productrice. Mode paracrine, où la cytokine agit localement dans le voisinage de la cellule productrice. Mode endocrine, la cytokine agit sur sa cellule cible à distance de la cellule productrice après passage par la circulation sanguine. C'est ça la définition non correcte. Ces cytokines donc agissent sur leur cible, bien sûr, par le biais des récepteurs, par le biais de leur liaison à leur récepteur spécifique. Donc on va parler des récepteurs des cytokines. L'effet biologique des cytokines font fonction de leur concentration et de leur liaison à des récepteurs spécifiques présents sur les cellules cibles. Les récepteurs de cytokines sont des complexes membranaires multimériques constitués de quelques chaînes, 2 à 3, ça dépend le récepteur, une chaîne qui confère l'affinité et la spécificité de liaison cytokine-récepteur, une chaîne bêta, et éventuellement gamma, s'il y a 3 chaînes, qui permet la transduction du signal et qui, dans certains cas, peut être commune à plusieurs récepteurs de cytokines apparentés. Cette transmission de signal se fait par l'intermédiaire des molécules cytoplasmiques, le JAK et le STAT, jusqu'à l'activation de facteurs de transcription qui sont responsables à la transcription des gènes cibles. Donc, les récepteurs sont donc subdivisés en familles. Donc, on distingue 6 familles de récepteurs selon les homologies structurales. Bien sûr, les récepteurs, ils sont subdivisés en 6 familles. Chaque famille a une homologie structurale. La meilleure connaissance de la structure des récepteurs des cytokines permet de mieux appréhender la redondance fonctionnelle de ces dernières. Elle s'explique par le partage de chaînes communes entre différents récepteurs responsables d'activités biologiques voisines et de compétitions observées entre les cytokines. Donc, ça explique la redondance. Donc, on a plusieurs cytokines qui peuvent agir sur des récepteurs, leurs récepteurs spécifiques qui partagent, par exemple, la chaîne bêta qui transmet le signal, par exemple. Donc, ça explique donc la ressemblance de l'effet biologique. On va commencer par la première famille, qui est les récepteurs de cytokines de type 1, encore appelés les récepteurs des hématopoïétines. C'est la famille qui compte les plus
de membres. Toutes ces chaînes de récepteurs sont des glycoprotéines membranaires de type 1, où l'extrémité T1, ou l'extrémité, pardon, NH de terminal orientée vers l'extérieur. Ces caractéristiques sont partagées par tous les récepteurs des cytokines, de l'interleukine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, GCSF et GM-CSF. G, c'est pour granulocyte colony stimulant factor, ou GM-CSF, c'est pour granulocyte monocyte colony stimulating factor. Donc voici une image qui montre les cytokines, les récepteurs de cytokines de classe 1 ou là des hématopoïétines. On a les récepteurs de type 2. Cette famille comprend les récepteurs des interférons alpha, bêta et gamma et de l'interleukine 10. Ils partagent dans leur partie extracellulaire un domaine commun comprenant une paire de résidus cystéine à chaque extrémité. Donc voici l'image, voici donc les récepteurs de cytokines de classe 2 ou de la famille des interférons. Les récepteurs de cytokines de type 3. Le chef de file de cette famille sont les récepteurs de TNF pour Tumor Necrosis Factor. L'architecture commune de base est faite de domaines riches en cystéine. On va voir donc ces récepteurs de classe 3. Les récepteurs de TNF. Les récepteurs de TNF. Les récepteurs de cytokines de type 4, il s'agit entre autres de récepteurs pour l'interleukine 1, de récepteurs de l'interleukine 18. Ces récepteurs possèdent des domaines. Donc, ces récepteurs possèdent des domaines EG-like dans leur portion extracellulaire. Donc, il appartient à la superfamille des immunoglobulines. Donc, l'image, c'est celle-là. Les récepteurs des chimiokines. Les chimiokines sont des petits médiateurs indispensables au trafic cellulaire. Elles se définissent par leur poids moléculaire relativement faible. La position des deux premières cystéines soit adjacente et par conséquent, elles donnent donc les CC chimiokines. Soit séparé par un acide aminé quelconque, c'est pour cela que c'est mieux le CXC chimiokine, soit séparé par trois acides aminés quelconques, et dans ce cas-là, c'est CX3C, ou la première cytokine est précédée d'un acide aminé quelconque, donc la dénomination, ce sera XC. Leurs récepteurs sont caractérisés par la présence de cette partie transmembranaire et le couplage dans la partie intracytoplasmique à la protéine G qui permet la transduction du signal. Donc voici l'image pour les récepteurs des chimiokines.